bonsoir à tous. Je suis la directrice du musée de Montmartre et c'est un grand honneur pour nous tous de vous accueillir ce soir pour cet événement pour lequel nous sommes très honorés à double titre. D'abord pour la remise de l'insigne d'officière des arts et des lettres de Madame Janine Barlot. Pour nous c'est un grand honneur, j'avais eu l'occasion de vous rencontrer dès 2018 à mon arrivée au musée et c'était une grande joie pour moi. Et l'inauguration de la sculpture de Suzanne Valadon par Monsieur John Edwin Nordine, qui est présent parmi nous. Merci à vous deux pour votre présence. Nous allons passer une bonne soirée. J'espère que vous en profiterez pleinement. Je vais passer la parole à Jean-Luc Batine. Merci. Bonsoir à tous. Avant l'inauguration du buste de Suzanne Valadon, nous profitons de cette soirée pour remettre à Madame Janine Barlot la médaille d'officière des arts et des lettres, qui vient de lui être décernée par le ministère de la Culture. Janine Barlot, dont le dernier ouvrage, un roman vrai, retrace l'histoire du sculpteur Nordine et de sa sculpture de Suzanne Valadon. Je voulais, avant de passer la parole à Chantal Stigliani, pianiste internationale, fondatrice de l'association artistique Philomuse, dire à Janine Barlot, bravo et merci. Merci Jean. Bravo pour votre œuvre magnifique qui retrace la vie des grands artistes que pour la plupart vous avez côtoyés de Montmartre à Montparnasse. Et merci d'être ce que vous êtes, à 102 ans. Un exemple pour nous, avec cette belle énergie, cette curiosité permanente, votre humour, votre générosité. Entouré de vos fidèles amis, véritable équipe de choc que vous gérez avec bienveillance. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles, disait Sénèque. Janine, vous osez, et vous allez toujours au bout de vos idées et projets. C'est aussi en ça que vous êtes un exemple. Chère Chantal Stigliani, je vous passe la parole, vous qui êtes depuis des années une proche de Janine Barlot et savez si bien parler d'elle. Bonsoir à tous, bonsoir Janine, est-ce que tu m'entends bien? Ah, assez quand même, mais c'est tout juste. Ah, il faut que tu m'entendes, tout de même. Cher Janine, c'est un grand honneur pour moi de répondre à ta demande en faisant un discours qui résume ta vie, couronné par cette prestigieuse distinction officière dans l'ordre des arts et des lettres. Un véritable challenge, parce que bientôt 303 ans, c'est long. D'autant plus que ta vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Ton caractère si ouvert et passionné l'a habité, nourri, enrichi chaque jour. Aujourd'hui encore, tu cherches à apprendre, à découvrir ce qui aurait pu t'échapper. Tu es entré dans ma vie le jour où Bernard Bois t'a conduite à l'espace Philomuse, atelier d'expérience multidisciplinaire où la musique est reine. Toi qui as vécu de l'intérieur le monde des artistes d'art plastique, de la littérature, de la poésie, tu as pénétré de près dans celui de la musique. Et cela t'enchante. Tu écoutes jour et nuit la radio, t'émerveillant de tout ce répertoire qu'on te propose de l'époque baroque à la musique contemporaine. Tu suis la trajectoire des jeunes talents. Tu les encourages à ne jamais baisser les bras devant les difficultés, mais se laisser guider par leur art. Tu as toujours défendu les artistes, particulièrement ceux qui ne sont pas encore connus. Évidemment, tu es né dans un milieu où foisonnaient les artistes, dans une famille hors du commun, chez qui on trouvait table ouverte en permanence. Ton père accueillait dans ce grand loft appelé le bateau Lavoir les pauvres artistes cherchant leur voie, qui s'appelaient Picasso, Van Dongen, Modigliani, Apollinaire, Max Jacob, Suzanne Valadon.
Cette histoire a été celle de ton premier livre, qui relate à la fois la misère ambiante et l'extrême richesse artistique qui circulait dans ce lieu. C'est là que Picasso peint ses plus belles toiles de période bleue et rose, et où naît le cubisme avec les demoiselles d'Avignon, lesquelles ont inspiré et révolutionné Braque, Matisse et tant d'autres. On séjournait aussi au bateau Lavoir, André Salmon, Marie Laurencin, Juan Gris, Mofra, moins connu, et les collectionneurs Gertrude Stein et Aviland allaient régulièrement faire des visites, découvrant des trésors. Je ne continuerai pas cette liste trop longue, mais on comprend comment la petite Janine a grandi dans ce parfum de Montmartre, avec ses joies, ses outrances et ses folies, entre un père rapin dans cette bohème du début du siècle et une maman peintre, tous deux unis dans un même amour créateur et ouvert aux autres. Le micro, on va te le passer. Alors, on va le laisser là, puis après, on te le passe. Alors, je parle. Bien, le micro est à droite, je parle à gauche. Mesdames et messieurs, les membres de la délégation américaine, Members of the American Delegation, venus offrir au musée du Vieux Montmartre un buste à l'effigie de Suzanne Baladon. Monsieur Gabé, président de la Société historique et archéologique Le Vieux Montmartre. Monsieur Rossillon, président de la Société Kléber-Rossillon, propriétaire du musée et du Vieux Montmartre. Madame de Lepido, directrice du musée. Monsieur Battini, créateur, comédien, chef d'entreprise. Madame Sigliani, vous tous, mesdames et messieurs. Varnaud, qui va recevoir dans quelques instants les prestigieux insignes d'officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres. Cette décoration honorifique française, héritée de l'Ordre de Saint-Michel, créée en 1469 pour distinguer les artistes, architectes, collectionneurs et gens de lettres, a été instituée par décret du 2 mai 1957. Elle récompense aujourd'hui les personnes qui se sont distinguées par leur création dans les domaines artistiques ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et de la culture en France et dans le monde. C'est pourquoi, afin de marquer notre reconnaissance pour votre action dans le domaine des arts, Janine Varnaud, au nom de Madame Rachida Dati, ministre de la Culture, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'ai l'honneur et le grand plaisir de vous élever au rang d'officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres. Alors, je suis très émue, pour le dire tout de suite. Donc, je vais commencer par des remerciements. Parce que tous ceux qui seront là, et bien d'autres, m'ont aidé à être ce que je suis devenue. Et j'ai toujours pensé que pour être aidé, c'est qu'on vous aime. Et ça, c'est formidable. Donc, c'est le principal de mes remerciements. Je ne vais pas dire des noms parce que ça n'en finirait plus. Et voici aux honneurs. À 102h30, c'est pas trop mal. J'ai plus de jambes, mais j'ai ma tête. Et je vous remercie d'être tous là. Alors, pourquoi je suis là? Je suis là parce que le journal officiel est arrivé à temps pour que vous me remettiez la médaille. Le journal officiel, c'est le plus grand journal. Vous pensez que c'est celui qui vous décore? Sans le journal officiel, vous n'êtes rien du tout. Alors, donc, le journal est arrivé. Ensuite, il faudrait quand même quelqu'un de grandiose. On va remettre ces médailles et on vous trouve. Si je suis là, c'est pour cette médaille.
mais c'est aussi pour la gloire d'un sculpteur américain qui a réalisé un buste qui est au musée de Montmartre. Alors, l'histoire, c'est dans mon livre. Mais le commencement, et je reçois une lettre d'un monsieur que je ne connais pas qui me dit « Voilà, je voudrais faire une sculpture de Suzanne Balado. Belle, j'ai besoin de venir en France pour voir toutes les Suzanne Balado dans les musées. » Bon, j'ai dit « Monsieur, c'est facile, voici la liste. » Donc je lui réponds, il est dans la liste, et il vient en France pour voir tous les musées, prendre leur part. Mais je lui dis, dans ma lettre de réponse, je viens souvent à San Francisco. J'ai un ami à San Francisco. Et je dis à mon ami, il faut absolument que je vienne à Seattle pour voir le travail de cet homme qui est venu à moi, que je ne connais pas. On part pour Seattle, puis on va dans l'île où il habite, et j'entre dans son atelier, et qu'est-ce que je vois? Des Suzanne Balado partout, sur tous les murs, touche. Alors là, j'ai une chante, Et j'ai vu la sculpture à son début, et c'était en 1700. Donc ça fait plus de 25 ans que cette histoire se poursuit, car la sculpture a eu des tas de valeurs. Mais je vais voir vous raconter les valeurs de la sculpture, vous la lirez dans mon livre. Donc voici Nordine, le sculpteur, sa fille Tessa, qui a joué un grand rôle dans la réalisation du livre, et le petit bébé, je ne sais pas où il est, il peut dormir quelque part. Bon, alors donc voilà l'histoire du livre. Et pour moi, c'est non seulement une belle œuvre qui est là, mais une histoire d'un homme qui ne recule devant aucune difficulté pour persévérer dans son œuvre. Donc, avec Isabelle du Casac, on a toutes les deux travaillé pour réussir à ce qu'il soit là. Eh bien, il est là. Bravo. 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 Alors là, c'est une de mes sœurs. Quand j'étais petite fille, j'habitais à Montmartre. Elle aussi, et on se rencontrait souvent, et j'allais dans son atelier. Et c'était une femme extraordinaire, parce qu'elle râlait tout le temps. Elle était contre les critiques, elle était contre les artistes, elle était tout le temps contre. Et elle respectait. Et en plus, la qualité qui lui revient maintenant, parce que maintenant, si vous avez mal à dos, avec le centre de l'Église, on lui en rend hommage partout. Et cette femme avait toujours dit qu'elle ne voulait pas faire partie d'un groupe. Elle ne dépendait pas de Gauguin, ni de Bonnard, ni de tout. Elle faisait son art tel qu'elle voulait. Et ça, c'est à cause de ça qu'on la considère maintenant comme une pionnière. Et la voilà, ici, à sa place, devant son atelier, où Dieu sait, entre Boris Trio et Uther, c'était des bagarres. Et j'étais là. Et voilà. Alors, vive Suzanne! Bravo! Bravo! De Suzanne Balado. J'ouvre un tiroir pour chercher les chaussettes de mon père, et là, à côté, il y a Balado.
en feuilletant un album de photos de famille. Suzanne est encore là. Elle est devenue, d'une certaine manière, partie intégrante de ma famille depuis mes 11 ans environ. Grâce à mon père, l'artiste française est aussi devenue connue dans les villages de l'île de Whidbey au sud, qui se situe dans le Pacifique Nord-Ouest des États-Unis, près de Seattle. Demandez aux habitants s'ils connaissent Suzanne Valadon et ils vont répondre si vous avez bien soigné votre accent. Suzanne Valadon, of course. L'étagère de livres de mon père est occupée par des publications sur l'art, la nature, la poésie, dont plusieurs traitent de Suzanne Valadon. Et sont écrits par la grande et unique Janine Boirneau. En 1998, Janine Boirneau a également pris une place importante dans ma famille lorsqu'elle est venue nous rendre visite un été avec ses proches Paul Freeman et Françoise Canter, mon prof de français. Je vous invite à découvrir les détails étonnants dans son dernier livre, Nordine le sculpteur et Suzanne Valadon, au musée de Montmartre, grâce à l'accueil généreux de son équipe et de sa présidente Geneviève Rossillon, et grâce à la fondation Le Vieux Montmartre et son président Juan Manuel Gaber. D'infinis remerciements et de la gratitude à Isabelle Ducaté, qui a travaillé sans relâche à la réalisation de cette journée et ce projet. Je suis émue par la confiance, la patience dont elle fait preuve pour que cet exploit puisse s'accomplir. Votre soutien à Janine pendant la rédaction de son livre est admirable et important. Et à Janine, merci pour tout votre travail, votre patience, votre confiance, votre amour. Toutes mes félicitations pour vos réalisations impressionnantes que nous célébrons aujourd'hui avec cette récompense bien méritée. Récemment, vous m'avez dit que vous avez toujours été et que vous l'êtes toujours, curieuse et gourmande. Chère Janine, vous êtes un exemple qui m'inspirait. Merci. Je tiens à remercier mon père. Il est un artiste qui n'a pas peur d'aller jusqu'au bout de sa passion. Cette ténacité me donne des ailes. Je vous raconte une histoire, une petite anecdote. Quand j'ai eu à l'âge de 11 ans, je suis rentrée dans son atelier pour voir ce qu'il travaillait à ce moment. Et j'ai trouvé les peintures, les paysages, parce que normalement, c'est un artiste qui peint des oiseaux et les paysages. Et Suzanne Valadon. Donc je trouve un paysage, mais il n'y a pas la ligne d'horizon qui vraiment marque la marque nordine qu'on voit dans tous ces paysages. Alors, 11 ans, je vois une brosse à côté, la peinture, je le prends. Après, je suis angoissée par l'acte que je viens de faire. Je me dis, oh là là, ok. J'essaie d'effacer cette marque. Et commence le papier à s'enrouler. Je commence à, ok, bon, je touche plus. Alors, je rentre à la maison, j'essaie d'oublier ce que je viens de faire. Et après quelques heures, mon père arrive à la maison, il dit, chérie, je vois ce que tu faisais dans l'atelier. Je dis, ah. Il dit, c'est génial. Est-ce que tu peux revenir et continuer à travailler, s'il te plaît? Alors voilà, c'était notre première collaboration. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, et
le futur. Soyons curieux et gourmands et n'ayons pas peur de suivre nos passions jusqu'au bout. Bravo. 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 Avec toi. On a beaucoup travaillé ensemble. Ah oui. C'était des mails et des mails entre Isabelle, toi, moi. Je voudrais dire que nous avons toujours laissé plus grande place à Suzanne Valadon, qui a son atelier en haut derrière moi. Nous avons restauré l'atelier de Suzanne Valadon et l'appartement tel qu'il était restitué, tel qu'il était en 1926, quand elle a quitté les lieux. Nous avons également dans l'entrée une présentation, un film qui raconte sa vie, que je vous invite à aller voir. Et depuis le mois d'octobre 2023, nous avons restauré les galeries de le deuxième étage de nos collections permanentes au musée et nous présentons quatre tableaux de Suzanne Valadon ici qui sont prêtés par des généreux prêteurs publics et privés. Je laisse la parole à Emmanuel Gabert, de la Société du Vieux Montmartre, qui a organisé cette manifestation ce soir, qui nous réunit tous. Bravo, bravo. Bonsoir à tous. Vous avez été, je crois, tous un peu émus par cette soirée qui est très importante pour Montmartre. On y tenait depuis très longtemps et j'ai quelques remerciements, quelques confidences à vous faire sur cette longue histoire, car en fait, il aura fallu trois présidents pour installer cette sculpture originale dans le jardin du musée. Voilà. Et c'est pourquoi je voudrais saluer un petit peu aussi les personnes présentes, évidemment, la figure qui est maintenant rayonnante parmi nous de Jeannine Varneau, qui évidemment incarne pour nous toute une histoire, une grande page de l'histoire culturelle de Paris. Je dois dire que c'est même une histoire plus qu'insolite, puisqu'il faut aussi se rappeler d'André Varneau, bien sûr, son papa. Personnellement, j'ai lu André Varneau très jeune, j'avais 13-14 ans. Il m'a fait découvrir avec Dorgelès, par ses livres, ceux de la butte ou les berceaux de la jeune peinture. Il m'a fait découvrir vraiment cette espèce d'âme de Montmartre qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Il l'incarnait quelque part toute la bohème, de ce qu'on a appelé la magnifique bohème de 1910, et il est aussi l'auteur de ce terme qui résume tous ces peintres venus du monde entier et qui ont incarné Paris et qu'on a appelé l'école de Paris. L'école de Paris, ce terme-là, c'est bien sûr le terme trouvé par André. Et tous les grands critiques d'art l'ont ensuite repris. Bien sûr, la lignée, l'histoire extraordinaire, c'est que Jeannine, née à Montmartre, va perpétuer à sa façon l'esprit de son père en incarnant là encore toute une page de l'histoire de Paris, puisque ses livres témoignent de Montmartre à Montparnasse de tout ce qui a fait la force créative de la ville. Et le président que j'aurais nommé aussi, c'est Daniel Rousseau-Écardi, qui avait à l'époque, donc elle est parmi nous je crois, mais je ne sais pas où elle est. Elle est disparue, elle est où? Vous ne l'avez pas. Elle n'est pas tombée pas dans la mare, là, c'est bon? On vient vers nous, pas dans les temps. Hein. Voilà. Puisque tout. Voilà, puisque Daniel Rousseau qui va effectivement être la première à accepter cette sculpture dans une histoire assez longue. Voilà. Cette histoire va être compliquée. D'ailleurs, toute l'histoire de la sculpture est extraordinaire. Je vous conseille d'ailleurs l'ouvrage de Jeannine qui vous raconte tout ça en détail, de ce rêve de M. Nordine, de ce rêve né aux USA de donner, d'offrir, d'incarner la matière, le visage de Suzanne Valadon, ce rêve-là, je suis heureux au nom du Vieux Montmartre, au nom du Musée de Montmartre, au nom de vous tous,
qu'aujourd'hui il puisse le réaliser, qu'aujourd'hui il soit venu parmi nous et qu'il ait vu enfin, après tant d'années, cette sculpture enfin installée à Montmartre, là où il rêvait qu'elle soit. Il faut dire que le chemin aura été très initiatique. Hein. Les difficultés variées, les chocs, trouver sa sculpture en train de fondre par un été caniculaire, le visage qui se dégrade, qui tombe en morceaux, recommencer, comme Sisyphe, nous dit Janine. Il a vraiment voulu incarner le mythe et il a continué. Il aura ensuite un accident de voiture, la sculpture, le visage est brisé. Tout ressemble dans cette histoire à une épreuve initiatique. Et c'est assez fascinant de la lire. Je vous encourage vivement à acheter ce livre que va vous dédicacer Janine d'une main alerte pendant 3 heures à peu près. Du coup, hein, il va donc falloir qu'elle se prépare maintenant. C'est extraordinaire. Et à la fin, bien sûr, hein, puisqu'il y a eu 3 présidents, il y a en plus un président qui lui envoie une lettre de refus. Hein. Ce président, il est devant vous. Et il est un petit peu obligé de le faire à ce moment-là parce que, en fait, c'est très compliqué. Vous savez, on est dans un musée de France. C'est-à-dire qu'en fait, les collections du vieux Montmartre ont reçu le label, sont classées musée de France. C'est assez surprenant, la seule société d'histoire de Paris qui possède une collection qui est référente du coup au ministère de la Culture. Alors on entre dans des complications un poil administratives et de fait, le ministère ne faisait pas rentrer une œuvre d'un artiste vivant, contemporain, et fort heureusement, M. Dordine est vivant et contemporain. Et il était assez difficile de lui proposer une œuvre posthume. Donc on a vraiment résisté à la pression du ministère, on a revenu vers lui, et bien sûr, on a décidé d'installer au jardin cette magnifique sculpture qui, après tant d'épreuves, et pour lui et pour son œuvre, est enfin là. Rarement un sculpteur aura mis autant de passion avoir réalisé une œuvre et autant de défis à relever pour réussir. Donc je pense qu'on peut l'applaudir et le remercier. Bravo. Bravo. Et je voudrais dire un dernier petit mot aussi en saluant bien sûr quelques amis Montmartrois qui sont là. Merci au Petit Poulbeau, merci à Joël Benayoun pour sa passion, à Michel pour leur passion à toujours entraîner les enfants de Montmartre, car ce qu'a connu Janine, c'est ça qui est peut-être extraordinaire dans ce quartier étonnant. Hein. Poulbeau lui-même, elle l'a connu, et mais... La cicatrice d'un coup de pelle de Nanette, une petite Poulbeau qui s'appelait Nanette. Oui, qui n'était pas toujours facile, effectivement, à cette époque. Bon, Janine qui a des portraits par Pasquine, notamment. Ah, oui, hein, c'est parce que, magnifique poème. Commençait à devenir célèbre et qui me choyait beaucoup parce que les artistes à ce moment-là, même les écrivains, ils n'avaient pas d'enfants, ça ne les intéressait pas. Ils avaient mieux vivre la bohème. Alors donc, je les ai choyés, gâtés et tout. Et alors, ce que je n'avais pas dit tout à l'heure, c'est que je veux remercier ma petite fille, Nelly, qui est venue exprès de Bruxelles, mon cousin Alexandre, qui est venu d'Oslo, et ils sont là pour représenter ce que j'aime le plus. Hein. Voilà. C'est un défi à Montmartre de relever en plus et de combiner l'arrivée de notre ami le sculpteur américain, enfin à Montmartre, de combiner avec la décoration de Janine, bon, c'est vrai que c'était un vrai défi. Voilà. Et puis ce que je veux dire aussi, c'est que je rends hommage à ma mère en ayant écrit un livre qui s'appelle La petite Dédé, et qui pour moi est très important, et que vous trouverez aussi en librairie. Voilà, qui sens du commercial, hein, qui n'est pas interdit à Montmartre. Je voudrais, moi, vous remercier tous, remercier aussi la République de Montmartre, Alain Coquart, présent, remercier Violaine Trajan, adjointe au maire à la culture, qui est là parmi nous, hein, et aussi Éric Sureau, du comité des fêtes. Hein, voilà, les Montmartrois fidèles qui sont toujours avec nous. Vous dire enfin
Une chose, c'est que c'est vraiment un joli moment. Vous allez pouvoir, évidemment, aller au buffet, mais avant, vous allez, n'oubliez pas la dédicace historique que vous allez avoir par Jeannine, hein, et vous dire qu'enfin, cette soirée, elle restera, je pense, dans l'histoire de Montmartre, comme le... Moi, j'y vois deux visages de femmes exceptionnelles qui ont éclairé cette soirée. Celui de Suzanne Valadon, évidemment, il est partout, et même, aujourd'hui, il est incarné, marqué dans le bronze, dans ce jardin, ce visage de Suzanne. Et aussi le visage devant nous de Jeannine Varneau, figure emblématique du milieu de l'art. Jeannine, qui est un trait d'union entre Montmartre et Montparnasse, un lien vivant à travers le temps du patrimoine artistique de la capitale. Elle nous donne ce soir son sourire lumineux à Montmartre et elle incarne pour moi la générosité, la vitalité de l'École de Paris. Bonne soirée à tous. Bravo.